Voilà, c'est parti pour cette épreuve d'ouverture avec un bon départ pour Sporty George. Eternal Light également a très bien sauté. Cutmaster quelque peu sollicité, mais Sporty George pour l'instant a l'avantage devant Cutmaster qui évolue à l'extérieur de Good Time Charlie. Eternal Light trouvait les barres en cinquième position. Ensuite, il y a Rock Vistown qui évolue à l'extérieur de Catch a Star. Ensuite, on retrouve Silicious, le favori. Imperial Palace en attentiste, ensuite Spaceman. On ferme le cortège avec Sherwani alors qu'on est en bas de la descente. Toujours avantage à Sporty Josh devant Cutmaster qui tire quelque peu. Ensuite on retrouve Good Time Charlie qui est toujours très bien placé en troisième position. Et Cord, Eternal Light est quatrième. Ensuite on retrouve toujours Silicious. Dans leur sillage, on progresse avec Rock Vistown. On a déboîté avec Sherwani qui commence sa descente. Tout comme Spaceman qui est quelque peu lancé en dernière position. Silicious à la sortie du tournant avec Sporty Josh qui va amener le peloton en ligne droite. Cutmaster est deuxième. L'attaque de Imperial Palace qui est parti de très très loin. Lancé maintenant par Vikram Sela en pleine ligne droite finale. Avec Sporty Josh qui est débordé à l'extérieur maintenant par Imperial Palace. Good Time Charlie tente d'arriver également. Mais Imperial Palace a toujours l'avantage et va aller s'imposer dans cette épreuve d'ouverture. Deuxième Good Time Charlie. Troisième Eternal Light. Quatrième Catch a Star. La victoire du favori Imperial Palace qui s'impose dans cette épreuve d'ouverture.